Quel métier exercer si je veux travailler à distance et en tant qu'indépendant? Partie 1. Tu rêves de travailler depuis ta chambre ou de n'importe où dans le monde, avec un PC et une bonne connexion internet. Que ce soit de manière indépendante ou en tant que salarié dans une entreprise, voici la partie 1 de métiers qui offrent la flexibilité géographique et parfois horaire tant convoité. Assez traditionnellement, on a les professions libérales, donc celles d'avocat, dans le monde médical et de la santé, de médecin, d'infirmier, de psychologue, de diététicien, d'ostéopathe, mais aussi les métiers d'architecte, de commercial ou business developer, de comptable, de coach notamment sportif et bien d'autres. Ensuite, on plonge au cœur de l'informatique avec le métier de développeur web et d'applications mobiles. En tant que développeur, tu créeras des applications mobiles ou des sites internet capables de s'adapter aux différents supports de navigation, donc les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Tu maîtriseras des langages de prédilection tels que JavaScript ou encore PHP. Si tu as la fibre artistique, intéresse-toi au métier de graphiste ou de motion designer. Les graphistes peuvent créer des logos, des sites internet, des supports marketing de n'importe où. Le motion designer est quant à lui le spécialiste de l'animation 2D et 3D. Il ou elle va concevoir des vidéos et des animations à l'aide de logiciels de conception graphique. Ces professionnels doivent se constituer un portfolio pour trouver des contrats en freelance, notamment en ligne. Si l'écriture et la vente font partie de tes spécialités, les métiers de rédacteur web ou copywriter peuvent t'intéresser. Il s'agit de rédiger des contenus percutants et persuasifs pour un ou plusieurs sites internet. Ce spécialiste fournit les services suivants: la rédaction de posts sur les réseaux sociaux, les blogs, des documents professionnels pour permettre aux clients d'informer, de conseiller ou de vendre une marque ou un produit, mais aussi de se classer en première page de Google. Alors, l'un de ces métiers t'attire-t-il? Dis-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. Et surtout, reste connecté pour la partie 2 de cette série qui arrive bientôt. Je suis Ina, ton guide professionnel. Partage autour de toi, abonne-toi, je t'aide à préparer ta réussite scolaire et faire des choix qui te ressemblent.